Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 40e jour de déconfinement et c'est la quarantaine qui s'achève. Et on va parler aujourd'hui du zine. Je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo parce que actuellement, suite aux dernières nouvelles, j'étais sur Buybox et toujours pas coté. Alors heureusement, Karim hier a fait un petit live. Attendez, je vais vous montrer quand même que dans innovation, il avait parlé d'innovation. Toujours pas sur Buybox. Ça, c'est pas de zine. Donc, on attend avec impatience, la recotation. Donc, ici, accéder. Donc, toujours pas d'infos sur le site, ça, c'est étrange. 3.0, ouais, ça parle de 3.0 là. Ah, c'est le web 3.0. Objet connecté en force. Maison connectée, etc. Ça, on attend les beaux projets qui arrivent. En tout cas, bon, on va parler aujourd'hui juste une petite réaction suite au live de Karim. Alors, j'étais assez satisfait de ses explications par rapport à ce qui se passe, hein. Il y a eu cafouillage. Il y a eu des gens qui ont tradé hors période de. En fait, c'était vrai cette histoire, hors période, alors que c'était fermé. Du coup, ça a décalé des lignes. Alors, je sais pas, en tout cas, l'équipe a bien taffé. On a des nouvelles, c'est ça ce qui est le plus important. Donc ça redonne toujours confiance. Mais bon, le live était beaucoup trop long. Il a passé comme quoi 40 minutes à nous expliquer qu'est-ce que ça allait apporter. Enfin oui, non, surtout des trucs. Enfin, ce que ça allait apporter, oui, ça c'est important. Mais surtout des trucs annexes en économie. Alors notamment, bon, au départ, il a commencé sur milliardaire de Bitcoin. Bah oui. Parce que ceux qui détiennent quand même, mine de rien, 1 million d'actifs à l'actif, ils l'ont s'ils se l'ont chopé. Vraiment pas cher, mais vraiment, quand je dis au point bas, du point bas, il était quoi au point bas? À 2 centimes, attendez. Ah, j'ai même plus la courbe. J'ai même plus la courbe. On peut même pas voir, mais, bah, disons pour arrondir, pour se donner des idées, qu'il était à 1 centime. Ça fait 1 million, ça fait 5 000, 10 000. Le gars, il fait une petite frappe à 10 000. Ça y est, il a son million de Bitcoin, tranquille, et il laisse couler. Actuellement, il doit être aux dernières cotations, aux dernières nouvelles, il est à 2. Petit speech, ça y est, vous êtes millionnaire. Multimillionnaire même, parce qu'il était à 2 et à un moment vous pouvez même le lâcher à 5. Et après bon, il nous a vendu du rêve, mais il faut, hein, il faut bien motiver les gens à acheter le produit. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je trouve ça même très très bien, hein, parce que sinon si on donne pas envie aux gens d'acheter, qui va acheter? Et notamment ouais, il y a eu un truc ouais un peu, c'est vrai, ça peut amener à contredire, disait. Il dit ne pas toucher à nos zines qu'on a, parce que si on appliquait à la lettre, si tout le monde ne vendait pas, achetait, on achète ça la première semaine, deuxième semaine, tous les acheteurs ont acheté. Après, c'est qui va faire vivre l'actif au jour le jour? Si on suit vraiment à la lettre et que personne tradait, eh ben on aura des volumes de zéro et des volumes de zéro. Alors, chose que j'ai apprise, que voilà, si on a des volumes de zéro, si on n'a pas un certain quota de volume sur les plateformes, eh bien on est délisté. Alors j'espère c'est pas ça qu'il veut quoi. Donc c'est quand même bien qu'il y ait des gens à côté qui achètent, qui vendent, qui font un peu de trading, parce que sinon le truc il vit pas et donc au final n'existerait plus. Donc là oui, un peu marketing mais un peu trop à mon goût. Après ouais, j'aime bien, il y a eu des petites crottes de nez sur les sur les trolls, ça fait plaisir. Sur ceux qui ont parlé de Ponzi, alors moi ça m'a fait tout de suite. Je savais de qui il parlait, hein, notre Zaza national, hein, qui arrêtait pas de parler de Ponzi à droite à gauche, et maintenant on la voit plus. Mais j'ai vu qu'elle commentait sur d'autres vidéos. Alors ce qui est bien, ouais, on l'a remarqué que les trolls se font de plus en plus rares. Chose qui est bien parce que bon, à peine tu répondais au départ, à peine tu répondais à un message, t'avais quelqu'un d'autre qui t'envoyait des insultes sur insultes, t'en pouvais plus. On était vraiment submergés, mais maintenant ça y est, les commentaires commencent à ressembler à quelque chose, donc je suis très content de cela. Bon, il y a toujours le petit disliker de folie, c'est peut-être un multi-compte qui vient et qui dislike et après qui croit que c'est moi qui like en multi, mais pour vous dire, je like même pas mes vidéos. Par celle-là. Alors, on va en venir sur Troll Gentleman juste après parce qu'on était en train de parler des trolls. Donc c'était très très bien qu'il commence à faiblir. Mais c'est vrai que bon, il y a eu des attaques, il y a eu des reports, il y a eu du strike à droite à gauche, il y a eu des reports, il y a eu des bans, il y a eu
tout ce que vous voulez, qui ont fait décourager certains trolls, ce qui est une bonne chose. Enfin, quand je dis des trolls, des vraiment des gens insultants qui racontent n'importe quoi. Ça, c'est pas bon du tout. Du coup, ouais, j'ai suivi aussi, alors je sais pas, c'était quand, je crois que c'était hier. Hier ou avant-hier, il y avait un. Ah non, je crois que c'était avant-hier. Parce que oui, c'est vrai que je devais faire cette vidéo hier. Du coup, tout ce que j'ai dit, c'est qu'il faut se rapporter à avant-hier. Donc le live de Karim, c'était avant-hier. Le live de Jérémy Gauthier, qui est devenu GG le sympa, il me semble. Alors on a assisté au live très, bon, toujours dans la bonne franche rigolade, mais on était avec Jim le Philo Jean. On voulait lui faire un petit raid, là, entre Aladdin et les autres. Mais le problème, ouais, il a ban notre ami. Du coup, j'étais le seul à écrire Red Poop. C'était un peu pitoyable, mais voilà, Jérémy, je suis pas trop content parce qu'il a, voilà, il a ban les cafards. Ça lui plaisait pas. Et surtout sur sa petite chansonnette où il se revendiquait d'avoir banni notre troll machiavélique, notre troll gentleman. Pour moi, ça restera le troll gentleman. Vraiment le meilleur d'entre nous qui maintenant on n'a plus de nouvelles, il n'y a même pas de commentaires. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Parce qu'il a fait la vidéo, il était trop, mais franchement, elle était trop marrante. Ça c'est les bons trolls qu'on devrait quand même accepter sur le net. Parce que il nous fait marrer, quoi. Déjà que c'est pas la joie de tous les jours, surtout en ce moment, c'est un peu dur. On peut pas trop. Bah ouais, on peut pas se rabattre sur le zine, on peut pas trop le trader, ni acheter, ni vendre. On a besoin de décompresser, de souffler un peu, mais bon, sa chaîne est strike et je crois que peut-être son compte, il peut plus commenter, il peut plus rien faire, donc on l'attend avec impatience. Faut qu'il recrée un compte, qu'il fasse des choses, je sais pas comment contourner les strikes, faire des choses non répertoriées, je sais pas, mais il faut qu'il revienne parce que, ou alors, ouais, pas aller sur YouTube carrément, faire la méthode de Jim, aller sur VK ou dans des sites, ouais, il devrait faire une chaîne où il mettrait des liens sur d'autres sites où là, il se fera pas striker. Je vois que ça. Parce que sur YouTube, c'est mort. Je crois que là, il a essayé de refaire un comeback, mais aussitôt arrivé, aussitôt banni. Donc, c'est vraiment très, très fâcheux. Puis, moi, je pense aussi bouger de YouTube, hein. Je vais aller plus dans les plateformes de gaming telles Twitch ou autres. Twitch aussi, à ce qui paraît, c'est pas mieux. Il y a certains mots qu'on peut pas dire. Enfin bref. Ouais, va falloir émigrer ailleurs, mais on sait pas où encore. Bon, on en parlera de toute façon. Donc tout ça pour dire, ouais, là c'était pas très très marrant la dernière chansonnette. Moins marrant sur le fond, moins marrant sur la forme. Ouais, c'était bien ce que t'avais fait sur Ali. Moi, ça m'a bien fait délirer, mais là, être content parce que notre Star National a été ban. Là, on était tous pas contents. Enfin bon. Bon, après, bon, il a parlé, je crois, 10 minutes, Karim, du zine. Bon, on est rassuré, donc on va attendre. Je pense que lundi, ça devrait être bon. J'ai dit ça la semaine dernière, ça me fait marrer. Mais j'espère que lundi, ça va être bon, on va patienter. Et puis, oui, bon, après, il nous a fait son laïus sur la vision de la crise, mais bon. J'allais dire tout le monde sait, mais bon, les gens informés savent bien que les crises se font de façon périodique, hein. Ça monte, ça descend sur le temps. Donc la vision comme quoi il aurait donné la date 2020, que ce sera le grand cataclysme, je pense qu'il n'était pas le seul à le dire, hein. Ça fait quand même 10 ans qu'on ne s'est pas tapé une bonne crise. C'était le moment ou jamais, je dirais. Et puis le grand reset, ouais. C'est vrai que le grand reset, est-ce que c'est fantasme ou réalité? Vous imaginez qu'il y a un grand reset sur l'épargne, on vous crédite de zéro, zéro sur les assurances vie, zéro sur les comptes épargne. Bon, les actions, bah donc du coup vous gardez toutes vos actions au chaud. Ceux auraient fait le transfert, bon, ils sont bons, mais pour les autres, pour le petit épargnant qui n'est pas initié au monde boursier, il va morfler. Et dans ce cas-là, si vraiment ça arrivait déjà, ça commence à être le bordel à droite à gauche. Alors s'il y a un grand reset, vous imaginez même pas la panique mondiale. Alors ils pensent que ça va arriver, moi je sais pas. Je vais suivre ça de loin, je vais pas prononcer dessus, je vais pas me mouiller. Parce que j'en sais vraiment rien du tout. Oui, parce qu'après il y a eu le mouvement Robin Hood aussi. Alors je sais pas s'il en avait parlé. Mais c'est aux États-Unis, c'est des gens qui. Enfin c'est Trump, hein, c'est Monsieur Trump, le gouvernement américain qui a donné 1 000 dollars à la populace.
qui certains se sont empressés d'aller en bourse et ils ont fait du fois 100 fois 1000, Inch'Allah. Ouais. Ah, ils auraient dû. Peut-être qu'il y en a certains qui ont investi sur le Zine. Non, ils ne doivent pas connaître. Non, mais à ce qui paraît, ils ont acheté du Tesla et c'est pour ça que ça a monté à mort. Et ils sont fait. Bon, comme elle vient de 200, elle est à 1000, ils ont fait du fois 5. Voilà, en l'espace de 2 mois pendant le confinement. Donc il y a des trucs à faire, c'est des trucs à suivre. Où est-ce que les gens vont, si vraiment ça arrivait, ce grand reset, où vont-ils mettre leur épargne? Vont-ils mettre sur la crypto, sur le Bitcoin? Sur le Zine peut-être, hein, si ça commence à se populariser, parce que si ça reprend et que ça pump de folie, je pense qu'on va en parler dans la presse. Et puis, je sais pas, sur le Ziri peut-être. Ah oui, très bonne nouvelle, j'allais oublier de dire qu'ils allaient. Il y a une deuxième plateforme qui arrivait, donc je vais préparer ma petite vidéo pour savoir. Le top 3 des plateformes les plus probables. Donc toujours, il y aura du Binance, il y aura dans le top. Je vais faire peut-être un top 10 pour vraiment, parce que top 3 c'est vraiment très limité pour avoir plus de chances d'en accrocher une. En tout cas, dans le top 3, ce serait Binance, Coinbase, Kraken, enfin les plus grosses. Enfin bref, ouais, bon, il y a certains trolls, notamment Cryptoté, ouais, qui a été évoqué. On n'a pas du tout de nouvelles. Je vais peut-être faire une petite vidéo pour le réveiller un peu parce que je suis quand même assez déçu parce qu'il y avait un dossier qui devait sortir, il y avait plein de choses qui devaient sortir et là, plus qu'aucune nouvelle. Bon, du coup, voilà le petit résumé, la petite vidéo de Carré. Mais je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end. On va se reposer, on va reprendre nos esprits, on va attendre que qui recote enfin sur les plateformes. Allez, ciao tout le monde.